Dis donc, Star 90 à 20h45 avec un hommage à Thierry Leluron. En seconde partie de soirée à 22h30, Perdu de vue, une émission qui se propose de remettre en contact des personnes qui se sont perdues de vue depuis longtemps. Dans l'immédiat, le tout dernier journal, suivi de Côté Cœur, une histoire d'amour, 92 années sur Fresnes, et d'un concert à 1h10, concert donné au château du Muguet à Bretot dans le Loiret. Deux quatuors au programme Brahms et César Franck, mais tout de suite TF1 Dernière, François Bachy. Bonsoir, ça y est, on peut pratiquement dire que la manifestation lycéenne a débuté. Elle a commencé ce soir dans les gares de province où des cars et des trains ont été pris d'assaut pour rejoindre la capitale. Ce soir, Sylvain Delande était à Toulouse et je vous propose son reportage. Ils ont rajouté exprès pour nous. Voilà, et maintenant en français dans le texte, vous avez rendez-vous avec Angelo Petré pour la météo. Demain matin à 7h, Jean-Michel Leliot qui consacrera une grande partie de son journal à une édition spéciale sur les lycéens. À 13h, Jean-Pierre Pernaut, à 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Bonne nuit à tous et à bientôt. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24h sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.